Allez, le micro est branché. Bonjour Twitch et coucou à YouTube qui verra ça en VOD. C'était Camon, on retourne cet après-midi sur Starfield et on espère s'amuser, c'est le principal dans cette aventure. Toujours non modé, je n'ai pas retenté. Et je crois que nous étions donc sur Procyon 3. Je me suis baladé entre temps puisque j'ai débugué mon outpost. Et j'ai exploré un petit peu tous les systèmes environnants à mon niveau, voir si c'était mieux que Cheyenne, mais non. Donc, go! On va charger la partie. Est-ce que je jouais bien fin de session frontière niveau 24? Ça devrait être lui. Mais on vérifie que c'est bien mon perso Tekamon. On va la charger et pendant ce temps, je vous balance l'intro. A tout de suite. Et on se retrouve dans la game. Et apparemment, ma partie, j'étais en pleine baston, je n'étais plus sur Procyon 3. On va donc voir tout de suite comment ça se passe. On va peut-être juste baisser un poil la musique ou pas. On va mettre la musique à 50. Ça suffira. Et à froid, comme ça, une petite bataille. Alors. Évidemment. Petit boost pour éviter le missile. Je n'ai plus de boost. Nous avons touché leur réacteur moteur. Voilà, petit boost parfait. Ralentissement. On accélère. Tiens, on va se faire celui-là. Bouclier détruit. Prends des missiles. Voilà, ils sont niveau 10. On est quand même pas mal. Une fois qu'on a compris la propulsion, qu'ils arrêtent de nous pilonner. Réduis un peu tes moteurs. Allez. Mais je veux pas qu'il s'enfuit, je veux qu'il meure. On va essayer d'ailleurs. Comment vous avez pu faire ça? Ça te sent froid. Allez. Vous êtes malade ou quoi? J'ai fait quoi? Aurais-je tiré sur quelqu'un qu'il ne fallait pas? Oh, c'est possible. On va recommencer. Y a-t-il eu un problème de poutrage d'innocents? J'ai dû viser quelqu'un en défense. Allez, on reprend. On voit que les combats, de toute façon, je n'ai pas perdu la main. Beurre, beurre. Oui. Pas. Allez, c'est parti, chasseur, hunt. L'astromoteur est dans le rouge. Affirmateur de la cible hors ligne. Allez, il faut. Et de 1. On a quoi ici? Kafir, Sécu, Libastra. Libastra, Libastra, mais c'est nos amis ça! On a désactivé leur bouclier. Je ne compte pas me laisser faire. Est-ce que je n'aurais pas pris une mauvaise sauvegarde? Allez savoir. On s'échauffe un peu, ça fait du bien. Attends, il est pas loin, il est où lui? C'est fini pour toi. Je vais éclater. Non. Les boucliers sont bons. L'astromoteur de la cible est désactivé. Voilà, on a une autre cible ici, un fantôme. Je pense que c'est des pirates, des spatiards. Est-ce que... Verrouillage enclenché, c'est le dernier, je pense. Eh bien... Et on veut... Du coup, ces moteurs...
On n'est pas devant là. Voilà, les moteurs sont là. On va par ici. Le Mustang. Là, là, c'est des moteurs, ça. Ça, c'est bon, ça. Il faut qu'on s'entraîne. 1000 sabords. Tiens, voilà un nid de sang. On envoie la sauce sur les moteurs. C'est bien l'arrière du vaisseau. Allez, au ciblage. Verrouillage en cours, la touche R, on est bon. Attention. C'est les moteurs, ça? On est bon. Est-ce qu'on peut s'amarrer? Oui. Non. Vous ne méritez pas ça. Fallait pas les tuer? Arrête. Arrête, arrête. Alors, après un échauffement comme ça, on était en fin de session, 4h34. Il s'est passé quelque chose en 4 minutes. On va le reprendre. Ça m'a fait du bien. Je ne sais vraiment plus ce que je faisais. Et quitte à se barrer, pas faire bêtises, tu es innocent. Pourtant, j'ai poutré des gens. Mais c'est Liber Astra, j'ai un gros doute. C'est parti. C'est pareil. De l'après-midi à 9h du matin, le 16 octobre. On va vérifier celui-là. Ah, ils font pas de pitié, hein. Ils sont au niveau 24, c'est pas dramatique. Il faut juste retourner sur Procyon 3. On va pas se faire la guerre avec tout le système solaire. Et qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Anya, salut à toi. 6e mois d'abonnement, dis donc. Oh. On regarde les quêtes. J'en étais où? C'était des missions d'accord, Flotte Canada, dans le système Altair, tout ça. Suivez distorsion. Voilà, Procyon 3. On reprend dans l'inconnu. Et on va y retourner. On est bien. Est-ce que j'ai des points à dépenser? On va arrêter un peu le papillonnage. J'ai 0 points. Tout va parfaitement bien. En science, on a débloqué la zoologie. Et également, ça, c'est quoi? Scan en cours. Scan TD 5, planète ou lune. Progression du défi. Scan en cours. Ok. Il faudra aussi débloquer les armes et combinaisons pour faire des mods. Et de la botanique. On mettra quelques points en science, je pense. Bouclier, j'ai mis un tout petit peu. Et je crois qu'en commerce, on avait poussé. Vol, je suis à 2 sur 4. Apparemment, c'est bon. J'ai fait les 10 poches, donc je peux débloquer le niveau 3. Et ici, à acheter, j'en suis au rang 2. Vendez 75 objets. Bon. Pas mal. Pas mal du bon, tout. Voilà. Oui. Comment ça va? Très bien. Mais dis-moi, Andréja est à bord? Oui. On était parti en explode planète. La soute est à 500 et moi je suis comment? À 115. Alors j'ai couru pendant un petit moment, j'ai débloqué un haut fait puisque j'ai pleine charge, 75% d'inventaire. Et du coup l'haltérophilie jusqu'au niveau 4 s'est débloqué. J'ai pu acheter 100 kilos de plus sur moi à porter. C'est bien. Petit coup d'œil. Ça me semble correct, hein. Écoute, on s'en fout. Il est temps de se promener cet après-midi. Bien remise la chasse aux fantômes, Anya. Allez, on va se promener. Après un bon échauffement. Disons que j'aime pas tirer sur les vaisseaux si elles me font la gueule. J'ai pas compris pourquoi. Et là, on reprend la quête principale. D'ailleurs, j'ai vu que Capilus a débloqué le haut fait, modifié 50 armes. Voilà, là on retrouve encore un fantôme niveau 4.
coup de climb provoque, hein. On y va. Bouclier est à 60%. Ah oui. J'avais configuré ma saute. C'est bon. J'ai tout configuré. Allez, on pousse. Niveau 6. Allez, allez, allez. Ah oui, c'est tout petit en fait. Le projet est toujours de pouvoir monter au plus L'ennemi a perdu son astromoteur. Les ventes pour vendre nos données d'exploration, puisque ça m'amuse un petit peu. Voilà. Plus que deux. Bouclier à zéro. C'est pas top. Mieux. C'est pas sympa celui-là. L'astromoteur est endommagé. Ok, il m'en reste plus qu'un. À toi, mon petit. Voilà, les moteurs. Moteur. Non, on n'a pas ici. Trop fragile. Oui, j'ai pu retourner à ma base et je l'ai débloqué, mon problème, parce que j'ai voulu faire un outpost à côté et j'ai dérouté mes arrivages de minerais. Et d'un coup, ma première outpost, eh ben, j'ai pu tout remettre. On ira te voir après. Là, on va plutôt aller à la récolte des ressources, puisque là, ce n'est pas... Et on répare pendant ce temps-là, voilà. Il faut être à moins de 500 mètres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme débris de pirates ? Du vanadium, combustible nucléaire, c'est pris. Et encore. Bon, ça c'est des Berastra, c'est la défense. Le fantôme écarlate qu'on a poutré. Allez ! Crédit titane, collecteur, pièce de vaisseau, ça c'est cool. Un aimant. Bonne pioche, hein, c'est vraiment bien. Kaffir secure. Voilà, donc eux c'est vraiment le côté gentil. On avait une erreur de sauvegarde. On a la confirmation. J'ai poutré des gens. J'ai dû faire du vol et m'amuser un petit peu à tuer tout le monde, je crois. Chasseur, flotte écarlate. Mais pourquoi Haunt et pas Hunt? Mystère. Et Procon 3, du coup, c'est encore la quête principale pour détecter un nouvel artefact. On va avancer un peu. Et tout le monde dit du bien de Andreja comme perso. Et je l'ai dit une fois en off, elle m'a fait la chanson du Nouvelle Bande. Je sais plus laquelle. J'étais très surpris. On va écouter le perso de temps en temps quand il parle. À voir. Tiens, là, j'ai une cible ici. J'en ai deux encore. À 2 km. Et l'autre. Pareil. Mustang, sécurité, Liberastra. Non. Bah, c'est bon. On a tout ramassé. On décolle. On était. Anarion. Ok, on s'était parti se promener. Procyon. Il faut passer par Étoile de Barnard. Puis on va essayer de se choper un bon vaisseau, au moins catégorie B, vu le pognon qu'on a accumulé. Astromoteur, j'ai mis deux traits d'énergie. C'est pas trop long.
Je vois que tout est réparé. Et je n'aimerais pas... c'est mon bouclier. Non, c'est ma coque qui a des dégâts. Je vais pas gâcher les pièces de vaisseau. Est-ce qu'il y aurait un port pour... Je ne trouve pas d'astroport. On va essayer de réparer alors sur Procyon. C'est Procyon A. Là-bas, on doit aller sur cette planète-là, oui. Mais j'ai l'impression qu'ici, trois petits points, il y a du monde. Un avant-poste civil. Tiens, on va y aller. On va essayer de voir si on peut réparer. On saute. Allez les filles, accrochez-vous. Hyperdrive, enclenché. Alors, une distorsion à détecter, on a déjà retrouvé un endroit, il en reste d'autres. C'était en pleine nuit et je me souviens que les bestioles étaient plutôt mordantes. Donc on va essayer aussi d'acheter des munitions. Fracturation hydraulique, avant-poste civil, ouais. Oh, il y a un gros astéroïde autour. Ok. La compétence visée améliore la précision, mais j'ai pas la main qui tremble encore. C'est vrai que par contre, sniper, ça peut être utile. Ah non, j'ai pas vu pour Astro Colony. Je vois par contre que tout le monde l'adore. Oh, par contre, j'ai réussi à mettre mon casque avec les écouteurs. On se croirait dans les Gardiens de la Galaxie. Galaxie. Écho. Allez, on fait le point sur les armes. On sait jamais. Donc, le petit pistolet. Le fusil à pompe. Le snipe. En 4, j'ai quoi? Alors ça, c'est pas mal du tout. Ce truc-là fait beaucoup de dégâts. Smack shot, je crois. Il faudrait que je lui mette un mode de visée. Et ça, c'est pour poutrer les grosses bêtes. Côté dégâts, bonjour. Bonjour, Andréja. Hop, on va dormir une petite heure. On régène. Venez, nous avons des mondes à conquérir. Des mondes à conquérir, oui. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, prévenez-moi. Ouah, garde ma couette au chaud, c'est déjà pas mal. Et mon absence de vie, une certaine beauté existe. Je regarderai la vidéo, Vania. Mais ça fait un moment que j'ai pas fait ça. Et puis je te signale, j'ai plein de jeux. Je m'en sors plus. On voit pas où est la colonie. Il y a un truc intéressant à 280 mètres. Inconnu à 1 km. Ressources, il y en a 8 à scanner. Et l'avant-poste est à 500 mètres. D'accord, il n'y a pas de bestiole. Gravité à 24. Ouf. On va pas voler très haut là. Hein. Non. Écoute, si on pouvait détecter en même temps des ressources. Là, nous avons du chlore. C'est bon. Température 630 degrés. Donc c'est une. D'accord. Il fait 630 degrés Fahrenheit? Non. J'ai pas de combinaison. J'ai pas mis mon casque. Ah mais oui, parce que je lui demande de l'enlever quand l'atmosphère est respirable. Très bizarre. Oui, c'est pour la colonie civile celui-là, c'est pas à piquer, je pense pas. Ça fait un moment que je suis pas venu là-dessus sur Starfield, hein. Je vais être un peu rouillé. On a du plomb. De l'iridium, tiens. Ça c'est bon. On va commencer à ramener un peu tout ça dans nos coffres. Il nous faut surtout de l'XP. Le vaisseau s'est posé à 800 mètres. Oh, la colonie est juste à côté. À côté. C'est relatif. Ah, il y a quelque chose là. Révèle votre scanner. Un truc qui s'appelle chlorocylane, je ne connais pas. Un peu d'uranium. Beaucoup de matière radioactive en fait. On est à 5 ressources sur 8, c'est bien, ça va vite. Voilà la sixième. Du tungstène.
Encore deux inconnus. Là, on a du plomb. C'est utile pour la base, ça aussi. Tiens, le plomb, j'oublie tout le temps. Et là, on a du fluor. Oh. Il me manque plus qu'une ressource inconnue. Écoute, je crois qu'il y a un truc derrière. On va voir ce qui se passe. L'avant-poste est tout petit. C'est un robot. Activation du protocole de fertilisation. Veuillez quitter les lieux. Produire une subsistance convenable pour votre espèce requiert un effort titanesque. Ah, je l'aime beaucoup, lui. Bon, il y a des gens qui vivent là, quand même. Tu vas faire ensemencer toute la planète à toi tout seul. Attends, il y a des colons, voilà. Bonjour. Je m'attendais pas à croiser quelqu'un ici. Ça me fait plaisir de vous voir. Les potentiels fumées toxiques provenant des conduits d'aération nous inquiètent. Il faudrait placer les capteurs près de ces conduits pour recueillir des données. Vous pourriez nous aider ? Ah, tant que ça me donne de l'XP, pourquoi pas. J'espérais que vous diriez ça. Merci infiniment. Placer l'objet capteur de gaz. 2 sur 3. Hein. C'est pas là-dedans, c'est où ça ? Analyse de vapeur. Écoute, on verra après. Je veux juste déjà un marchand. Vous irez pas loin sans flingue là-dehors. J'ai des armes et des munitions. J'ai les mêmes marchandises que Jameson Mercantile. Mais je vous la ferai pas à l'envers. Voilà ce que j'ai. Écoute, ça m'intéresse. En soins. Pièces de vaisseau. Elle en vend 7, ouf, à 1125. On achète pour 1000 crédits et du coup, nous, on va vendre. Est-ce que sur nous, on a des ressources? Non, mais du divers, par contre, on a quoi? Un circuit imprimé, bof. Du coup, on l'a chargé à 10 000 crédits, c'est comme ça que je fais maintenant. Ça, c'est naze. Des câbles de données, ça vaut que 34, c'est pas assez vendu. Un crédit, ah non. Willby, je te garde. Le ventilateur, non. Et un œuf étrange. Ça, non. Combinaison. Non, je suis pas inquiet. On va vendre depuis l'inventaire du vaisseau. Des armes. Un couteau de la marine coloniale. 130 crédits pièces. Des Equinox. Voilà. Hache de sauvetage, oui. Les maelstroms à 5 de dégâts, on va les vendre. Adepte de l'espace. Plus 30% de dégâts dans l'espace. J'ai jamais fait de combat au corps à corps. Ouf. Voilà, elle nous rend tous les crédits, c'est cool. Et nous, on vend en même temps nos trucs. Modifié, 5 de dégâts, bof. Un tambour qui fait 23 de dégâts. Je sais pas si j'ai testé un tambour. Ok, l'autre est meilleur. Un solstice. Pistolet laser. On a vendu 19 objets sur 75. On a ce haut fait à faire. Cet objectif. On va le vendre. Le Beowulf, ça c'est top. Et un silencieux Maelstrom, c'est top. Il ne reste plus que 377 crédits. Oh, c'est cool. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre? Soins, notes, non. Quoique notes, on a des bouquins. David Copperfield, des ombres dans le grenier. Tiens, j'ai en double celui-là. La comète, on l'a en 4, 5 exemplaires. Voilà. Je sais pas si je pourrais caser quelque part des bouquins et faire une bibliothèque. Ça n'a aucun intérêt. On est sondé à 87 crédits. On va tout gratter. Hein. 35. Voilà. C'est bon. Allez, ça c'est bon, fait avec le marchand. Du coup, la quête me dit d'aller où?
Tu veux un capteur ? On a le vaisseau qui est là. Site d'atterrissage. On ne voit rien. C'est ouf. Est-ce qu'il est bien sélectionné ? Placer l'objet capteur de gaz. Écoute. On va chercher un truc qui fait du gaz et puis on verra. Ça, c'est une tourelle de défense. On touche pas. On détecte rien. On pourrait aller vers le vaisseau. Ah. Mais ça, c'est au sol. On va aller vers le site d'atterrissage. On va voir si on voit un truc qui fait de la fumée. Allez, on monte. Tu peux y arriver. Elle a l'air assez grosse, ce vaisseau, d'ailleurs. Bon, et là, on a un truc qui fume. Tiens. Il n'y a rien qui se passe. Encore une quête. Placer l'objet capteur de gaz. Ouh, elle m'embête, cette quête-là. Afficher l'objectif, afficher sur la carte, B. Ça m'a l'air buggé. C'est quoi ? On s'en fout. On va reprendre Liber Astra, on va reprendre Procyon 3 même, plutôt. Dans l'inconnu. Voilà. Et on va aller voir ce petit vaisseau. On oublie un peu le colon du coin. Tout en cherchant la dernière ressource à scanner sur cette planète. Il y a du plomb. Andréja, tu me suis ? D'ailleurs, quand on a le... Mince. Il y a un truc là. Pourquoi on peut pas le scanner ? Pas clair du tout. Je vais trouver une autre matière, on aura le défilé, voilà. De tout ce qui nous manque en ressources. Alors du coup, là, on a quoi ? Le fluor, le cuivre. Il y aurait du cuivre sur cette planète qu'on n'a pas trouvé. Et bonjour à toi, Anna Razel. J'espère que tu aimes Starfield, puisque je vais vagabonder un peu dessus. J'ai une quête locale qui a l'air buggée. Tout va bien, je cherche du cuivre pour finir l'explo. Ah, non. J'ai cru. Et il y a un petit vaisseau qui m'attire, on va aller le voir. Ah bah il est là-bas, oui. Je m'éloigne. Et on va retourner sur Procyon 3, promis. Promis, je batifole, mais je l'ai trouvé. Voilà le cuivre qui est précieux aussi, on va le ramasser. Vous voyez quelque chose d'utile ? Oui ! Une carte de données planétaire. Et il y a une ressource, enfin il y a un endroit rare à trouver aussi. J'avais oublié ça, il y a un point d'interrogation, on ira sur un site inconnu. On va juste jeter un œil. Oh, qui est là ? Voilà, je m'essouffle, mais ça va, allez. C'est bien, j'arrive avec ma visée laser, tranquille, venez en
je vois personne. Et je pense pas que ce soit la secte de serpents. Jusqu'à maintenant, j'ai eu que des vaisseaux de catégorie A. Et je ne tuerai pas d'innocents, évidemment. Je ne suis pas un pirate. Je serai un ranger de l'espace, peut-être. Alors, c'est qui ça? Ils sont pas en rouge. Oui, me dire ce que c'est comme matière, je veux savoir qui est là. Attends, on va ranger le flingue. Bonjour. Il est sympa, votre vaisseau. Ah, c'est un colon. Ok. Bonjour. On va y aller discretos. Ils sont sortis. Oh, avec des soutes de rangement sur les côtés, il est beaucoup plus long. Il est peut-être mieux que le frontière. On y va. Faut crocheter. Oh, faut crocheter. Vous connaissez. Ok, ça m'en déverrouille tout cela. Il me reste 1 et 2. Première barrière de défaite. Tac. Il m'en faudra 1, 2, 3. J'ai pas perdu la main. Oui, pas de speeder. C'est vrai. Tout à pince. Ok. Là-haut, ça va quelque part. S'il y a quelqu'un qui se fâche. Les soutes sont immenses, hein. Oh là 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 là. Comment je fais déjà? Voilà, lampe torche activée. C'est un beau vaisseau, ça, que vous avez. Descendre là. On peut encore grimper. C'est dingue. Ok. Oh là là. Il y a des baies qui sont cachées par le fret. Côté cuisine. Ouais, il y a quand même un lit. Deux lits. Attends, on va grimper. On va aller voir. T'inquiète, Andréja. Andréja, tu m'embêtes. Regarde, on monte avec classe, tranquille. On a déverrouillé pendant qu'ils scannent dehors. Les pauvres petits colons innocents. Ouh. La cabine est sympa, hein. Quoi ? Compétences requises améliorées pour pouvoir le piloter. Non, sérieux, je trouve un beau pilote. Non ! Ah, c'est moche. Ah, c'est moche, c'est moche. J'y crois pas. Prier, pilotage. Débloque la capacité de piloter des vaisseaux de classe B. Je suis sûr que c'est un classe B. Ah ! Oh, la frustration. C'est quoi ça? Un composant manufacturé exotique. On pourrait leur piquer un micro-régulateur. Il y en a 15. Des crédits. Peu commun, peu commun. Pff, ça, on s'en fout. Je crois que vous avez les yeux plus gros que le ventre. Chut, faut rien dire. Faut rien dire. Aïe! Et si on veut se barrer? Attends, ce vaisseau est tellement grand. La caméra, mon tech. Alors j'ai cru entendre parler que à Jemison on pouvait faire de l'entraînement de pilotage. Il nous faut des points de talent, il nous en faut au moins 2. Et faire de l'XP, bon bah écoutez, salut. Voilà, on va aller à Procyon comme je le disais, mais on va chercher un endroit inconnu. 900 mètres, peut-être là-bas. Super votre vaisseau, hein. Un Venture. Inconnu.
Ok. On est parti. On va crever sur place. Ah là 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 là. Pourquoi ? Je dépasse un peu mon poids. Vous avez toute mon attention. Très bien, Andréja. Je voudrais te refiler des trucs. Et du coup, mon droit inventaire. Mon avis Willby, tiens, je te le file cadeau. Et c'est quoi qu'on avait visé, aimant? Ça pèse une tonne, ça. Je regarde un peu. Catalyseur, iridium. Micro-régulateur, c'est ça qu'on a piqué. Ça servira. Merci, Andréja. Ok. Bah si, c'est tout. C'est déjà pas mal. Mais ouais, un speeder, t'imagines, tu chevauches chat. Je surveille les modes, de toute façon. S'il y en a vraiment un jour qui propose un véhicule, je le prends. C'est le côté explo, c'est super. 700 mètres, sérieux. Allez, on y croit. ...580 mètres. Vous allez voir, c'est mieux de démarrer sur une lune stérile. On va se faire bouffer tout cru après. D'ailleurs, je me ferais bien une sauvegarde rapide. Merci. Qu'est-ce que tu regardes de ce côté-là ? 400 mètres, on a fait la moitié. Vu la planète, il n'y a pas de tremblement de terre et tout, c'est du cristal, quelque chose de géologique ou alors quelque chose de radioactif avec l'uranium. On fait des paris. Je vivrai pas ici en tout cas. 200 mètres, bientôt, on approche. Ah, on a une formation rocheuse, ça doit être ça. Voilà. Et on va trouver quoi ? Un cratère recouvert. Ouh. Et apparemment, j'ai atteint le niveau 25. Mais c'est extraordinaire. C'est ça le gameplay Starfield. Pas grand chose. Pour l'instant. Pilotage. Mais la musique est sympa, j'aime beaucoup. Alors, détruisez 15 vaisseaux pour atteindre le rang 3. Ça me fait une belle jambe. Et alors, il faut scanner l'endroit. Il doit y avoir quelque chose par là. Le cratère est là. Non, c'est juste des ressources. Là, on a du matériel aussi à récupérer, un tas de cailloux. Ouf, beryllium et fer, pas intéressant. Ok. Alors, est-ce que j'aurai un autre endroit inconnu ? L'avant-poste civil est là. Le vaisseau est là. Ouais, bah écoutez, vous savez quoi? On cherchera une autre fois. On va continuer l'exploration. De Procyon 3. On va y aller. J'ai même pas réparé, au fait, tiens.
lâcherai jamais ta ceinture. Ok. En route pour Procyon, trouver Distorsion, et ça se passe au pôle. Site du crash, on l'a fait. On y va. Bon, apparemment, oui, on peut se transporter en plein combat, j'aurais dû faire ça aussi. Et crotte directement. Pouf pouf pouf. En pleine nuit comme ça, ça me fout les boules. J'ai des ressources. Est-ce que je peux C'est pas comme ça qu'on fait. Voilà, le frontière, accès à ta soute. De mon inventaire. On peut le stocker ou pas. Alors ça. Benzène. En fait, j'avais beaucoup de choses. Hein. Membrane. Stocker toutes les ressources. Pourquoi je m'embête? Dans les notes, le poids ici. Il y a juste les données planétaires, il n'y a rien de particulier. Mais je porte sur moi quand même 130 kilos. En soins, j'ai oublié de regarder, tiens. Est-ce que j'aurais par hasard des pièces de vaisseau sur moi? Bah tiens, les 7 que j'ai achetées. Et on est descendu à 60, voilà. Voilà, on part avec celui-là, on n'est pas fou. On va peut-être mourir. On a quoi? Un cavernicole, une plante. Pas de danger, tout va bien. 800 mètres. 385 mètres. On y va. On va prendre ici sans mourir, promis. J'ai un truc dangereux en face, à droite. Voilà, on grimpe. Grimpe, s'il te plaît. Voilà, joue pas au kéké. Qu'est-ce que c'est que ça? Un troupeau mouche-crabe. C'est pas les mouches-crabes qui sont embêtants? Non, apparemment non. C'est un brouteur, ok. On y va. Gravité 1,07, c'est le problème. Recharge, recharge, je vais te faire bouffer. Et on arrive à la première distorsion, c'est ça, il y a un pylône. Exactement. Mon radar ne détecte rien, on avance tranquille. Et on l'avait scanné, et là on a des anomalies. De la sélumite, et je crois pas qu'on puisse l'extraire. André-Jean ne passe pas, hein. J'ai réussi à en avoir. On va recharger. Voilà, c'est les fameuses pierres qu'on trouve exactement. J'espère que cette température glaciale ne gèlera pas notre matériel électronique.
Là, il donne rien. Donc celui-là, peut-être, il y a encore des cristaux dessus. Allez. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de cristaux. C'est enlevé. On a eu la première anomalie. Eh ben écoute YouTube, tu vas pas aimer. Mais le petit bavillonnage me fait du bien. On va se quitter là, pour l'instant, avec Andréja, il fait froid. Et Twitch, on se dit à tout de suite. Je vous ai fait un nouveau trailer de fin, puisque Twitch n'aime pas. C'est comme ça. Et nous, on va garder la pause, et je vous dis à tout de suite.